Retournement de situation dans le dossier Benjamin Mendy, actuellement accusé de 8 viols. Deux joueurs de Manchester City ont été cités lors du procès du joueur français. Une témoin a assuré avoir déjà vu le latéral droit Walker et le milieu offensif Jack Grealish, coéquipier de Mendy à Manchester City, au domicile du français lors d'une fête. Sans rapport avec des faits reprochés dans ce dossier, il est toujours complexe d'anticiper le déroulé des journées d'audience au procès de Benjamin Mendy à la Crown Court de Chester, tant les auditions s'étirent lentement, sans compter les nombreuses pauses et les nouveaux problèmes techniques décalant déjà une semaine le calendrier prévisionnel. Bienvenue dans le système judiciaire anglais, comme dit un confrère durant une de ces interruptions. Finalement, la journée de mercredi a rassemblé à celle de la veille. La majorité des débats a concerné le co-accusé Luis Saha avec la suite et à la fin de contre-interrogatoire mené par son ancien avocate Lisa, d'une témoin déjà présente mardi. Mais c'est là qu'une témoin a avoué avoir vu deux coéquipiers de Benjamin Mendy lors d'une fête à son domicile. Il s'agit de Jack Grealish et Walker. Les deux internationaux anglais étaient à son domicile, mais sans rapport avec des faits reprochés dans ce dossier. Leurs noms, comme ceux de Riyad Mahrez et Stone et Sterling, avaient déjà été mentionnés par le juge Stephen Everett à l'ouverture des débats dans la liste des dizaines de témoins évoqués lors du procès. Le cas de la quatrième plaignante étudiée depuis 4 jours maintenant est censé se refermer ce jeudi pour laisser place à l'audition de la cinquième victime présumée qui accuse Benjamin Mendy de viol chez lui la nuit du 24 juillet 2021. C'est donc actuellement très tendu dans ce dossier Benjamin Mendy, mais le procès a été reporté jusqu'à lundi pour des raisons judiciaires. Après une journée assez calme mercredi, mais quand même marquée par les citations de Jack Grealish et Walker par une témoin, le procès de Benjamin Mendy continue ce jeudi au tribunal de Chester. Sur une sixième plaignante devait prendre la parole, son audition est reporté à lundi en raison des nouvelles informations qui doivent être présentées aux avocats. Selon le juge, des éléments qui n'ont toutefois pas fuité. Pour rappel, Benjamin Mendy est accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par 7 femmes. Selon vous, chers amis, quel est le premier club français de Benjamin Mendy?